Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Aujourd'hui, on est encore dans un temps où on va passer un temps très important dans la présence de Dieu, dans un temps d'enseignement, un temps de partage. On va communier le pain. Dis avec moi le pain quotidien, on va le partager ensemble. Et le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en tout cas, soyez tous les bienvenus sur la chaîne La Chapelle de la Foi sur Facebook et pour d'autres sur YouTube. Soyez vraiment les bienvenus. Ce soir, on va vraiment passer un moment extraordinaire dans la présence de notre Dieu, dans sa parole et dans la révélation. On va couler dans les flots de la révélation. Ça va être très, 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 très intéressant. Donc, partage simplement à ton frère ou à ta sœur de lui dire que nous sommes actuellement connectés. Et ceux qui viennent peut-être de se connecter actuellement, soyez réellement les bienvenus ou la bienvenue. Nous sommes très contents, en tout cas, d'être encore avec vous aujourd'hui, de partager le pain de la parole de Dieu. Ça va être vraiment très intéressant ce soir. Donc en tout cas, soyez heureux, soyez totalement bénis. Est-ce que tu peux commencer à déclarer depuis chez toi, Seigneur, je te remercie. Je te remercie en tout cas pour ce jour que tu m'as donné. Je te remercie, Seigneur, pour ce jour que tu m'as donné, Seigneur, Papa, que je suis, Seigneur, actuellement en vie. C'est une grâce, c'est une opportunité pour moi d'être encore en vie pour les intérêts de ton royaume. Oh, est-ce que tu peux encore le déclarer? Je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux le déclarer? Je suis plein de vie, full of life, full of glory, plein de vie, plein de gloire. Est-ce que tu peux le déclarer de là où tu es? Car n'oublie pas que la mort et la vie sont au pouvoir de ta propre langue. Déclare depuis chez toi que tu es plein de vie grâce à ton Dieu. Tu es plein de joie grâce à ton Dieu. Est-ce que tu peux continuer à le déclarer que tu es plein de vie, plein de joie, heureux d'être dans la présence de notre Dieu, heureux d'être là aujourd'hui? Et c'est encore pour moi encore un plaisir de pouvoir partager avec vous aussi un plaisir, un honneur et une responsabilité de pouvoir dispenser les Écritures avec vous ce soir, ok? En tout cas, j'aimerais simplement annoncer à une personne aujourd'hui, sois totalement encouragé, car ton heure arrive. Sois totalement encouragé, car ton heure arrive. Ton heure est sur le point d'arriver. Il y en a d'autres, leur heure est déjà arrivée, mais toi, ton heure est sur le point d'arriver. Sois encouragé. S'il y avait des fardeaux qui étaient sur toi, que ces fardeaux soient ôtés maintenant par la révélation de la parole de Dieu qui va t'être communiquée aujourd'hui. Si tu étais faible, je prie maintenant qu'à cause de la parole, que tu vas entendre, elle va te libérer, elle va t'apporter la foi et elle va t'amener à une autre dimension. Sois en tout cas totalement béni. Je parle à quelqu'un qui est découragé ce soir, qui a le train peut-être de se dire « Oh, ma vie n'avance pas ». J'aimerais te dire une chose, que la révélation de la parole qui est claire t'accorde maintenant de comprendre les Écritures pour t'amener à une autre dimension. Je prie maintenant que les écailles de tes yeux tombent, ce qui empêchait la parole de fructifier dans ta propre vie. Je prie maintenant que le voile te soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Et n'oublie pas une chose, c'est que le voile du temple a été déchiré à la croix du calvaire par notre Seigneur Jésus. Donc j'aimerais te dire, tu as le droit légal d'entendre la voix de Dieu, tu as le droit légal d'entrer en profondeur avec le Seigneur, c'est ton partage. Donc sois totalement encouragé, soyez tous en tout cas les bienvenus sur YouTube, Facebook, soyez tous les bienvenus. C'est encore pour nous encore un plaisir de pouvoir vous recevoir. Si tu peux le faire simplement, partage simplement ce live et dis à ton frère et à ta sœur que nous sommes en live. Nous sommes en live. Est-ce que tu peux aussi encore déclarer ce soir, je suis en vie par la grâce de Dieu. Je suis en vie par la grâce de Dieu. Je suis vivant par la grâce de Dieu. Je suis debout par la grâce de Dieu. Je suis fort par la grâce de Dieu. Je suis puissant par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer dans l'atmosphère que la vie soit maintenant au nom de Jésus? Si tu es dans un appartement, déclare que maintenant que ton immeuble est en vie. Si tu es peut-être dans un pavillon, déclare que ta maison est en vie. La joie est dans ta maison. La paix est dans la maison. Le bonheur est dans ta maison. Et dis après moi que mon présent et mon futur sont glorieux. Mon présent, mon futur est glorieux. Mon futur est glorieux. Ne l'oublie pas. Dans l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, c'est qu'on va remettre l'atmosphère entre les mains de notre Dieu. Tu vas lever la main droite de plus chez toi et tu vas commencer à dire, Père de grâce, je te remets cet instant entre tes mains, Papa. Père de grâce, je viens dans ta présence ce soir, Seigneur Papa, pour entendre le son de ta voix, Seigneur. Seigneur, parle-moi, Seigneur Papa. Fais-moi comprendre les mystères cachés, Seigneur Papa. Car Seigneur, tu as dit que les mystères qui étaient de tout temps, qui étaient cachés, sont maintenant révélés aux saints. Père de grâce, je viens dans ta présence, Seigneur Papa, pour recevoir ta parole, pour la comprendre et la mettre en pratique, Seigneur. Père, je prie que tu accordes un éclaircissement
éclaircissement, Seigneur, papa, à mon esprit pour dispenser et recevoir les Écritures, papa. Je prie que les Écritures ne soient pas simplement écrites, mais qu'elles prennent vie en moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que maintenant je suis plus que vainqueur, car Christ m'a affranchi, car Christ m'a libéré, car Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te remettre, Seigneur, ce message devant toi. Je veux te dire, Seigneur, papa, accorde-moi la capacité d'être utilisé par toi. Accorde-moi la capacité que tu puisses parler par moi. Accorde-moi la capacité, Seigneur, d'entrer en profondeur dans la parole de Dieu, Seigneur, afin que ton nom soit élevé, afin que ton peuple soit éduqué, afin que ton peuple, Seigneur, papa, soit perfectionné, afin que ton peuple soit édifié, papa, dans l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Seigneur, je remets cette parole entre tes mains. Parle au travers de moi, Seigneur, instruis, fais ce que tu as envie de faire, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Le thème de mon message d'aujourd'hui, il sera très simple. Je vais faire simplement la partie 2 que j'avais fait il y a quelques temps. C'est la nouvelle vie en Christ, partie 2. Je répète, est-ce que tu peux le dire à ton frère dans le live, dans le chat? La nouvelle vie en Christ, partie 2. Donc si peut-être tu n'avais peut-être pas vu la première partie, tu as la possibilité de le voir sur YouTube ou sur Facebook. Tu descends un peu dans les publications et tu auras la possibilité de voir la partie 1. Amen. Donc le thème encore, comme je viens de dire, le thème de ce message d'aujourd'hui, c'est la nouvelle vie en Christ, partie numéro 2. Et pour ce faire, c'est que la dernière fois, j'avais pris directement le message par Romains 8. Mais aujourd'hui, on va prendre directement notre texte principal, normalement, si le Seigneur le permet, de prendre le livre de Romains chapitre 6. Amen. Romains chapitre 6. Amen. Je lis la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Je répète. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ce que j'aimerais simplement dire à une personne aujourd'hui et l'encourager, c'est de lui dire une chose. Lorsque le Seigneur est parti à la croix, lorsque le Seigneur a été cloué à la croix, tu es mort aussi avec lui. C'est pourquoi Romains chapitre 6 te dit, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Non. Il est en train de te dire que, en fait, comme le Seigneur est mort à la croix, toi aussi tu es mort aussi avec lui. Ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir et n'a plus de légalité dans ta propre vie. Pourquoi? Parce que tu es mort au péché. Et j'aimerais simplement annoncer à une personne, lorsqu'une personne est morte, elle ne réagit plus. Je répète à cette caméra qui est en face de moi. Lorsque tu es mort à quelque chose, tu ne peux plus réagir. Je répète à cette caméra qui est en face de moi. Lorsque tu es mort à une situation, tu ne peux plus réagir. C'est-à-dire qu'en fait, l'Ancien Testament et dans l'ancienne dimension, le péché avait le droit légal de dominer sur l'homme. C'est pourquoi quand tu lis Romains chapitre 7 à partir du verset 19, il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Verset 20. « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » La raison pour laquelle plusieurs personnes sont liés dans le péché, c'est qu'ils sont vivants au péché. Mais la Bible déclare en Romains chapitre 6, nous sommes morts au péché. Est-ce que tu peux déclarer après moi que tu es mort au péché? Dis après moi, je suis mort au péché. Et quand tu regardes Romains chapitre 7, verset 19, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai envie de faire le bien, mais je n'y arrive pas. Je parle encore à une personne qui ici me regarde de cette caméra. L'apôtre Paul est en train de dire, car le bien que je veux faire, je ne sais pas le faire. Je vais encourager une personne aujourd'hui, et ce message il est totalement pour toi et pour te dire, Dieu a vu ton cœur, Dieu voit que tu veux marcher avec lui,
Dieu sait que tu es né de nouveau, mais tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, Dieu m'envoie pour te dire clairement, regarde-toi comme mort au péché. Car celui qui est mort au péché, il est libre du péché. Donc j'aimerais te dire que lorsque tu es parti à la croix avec Jésus, tu es mort avec lui. Lorsque le Seigneur est mort à la croix, il a dit que tout est accompli. C'était l'accomplissement de ta vie. Oh, j'aimerais dire à une personne, la croix est le synonyme de ta victoire. La croix est le synonyme de la victoire. Et la croix est le synonyme de la défaite de l'enfer. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le péché est venu de Adam. Adam a péché et le péché est entré dans le monde. On va le lire. On va le lire. On va le lire. Romains chapitre 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort y est entrée. Donc il faut que tu puisses comprendre rapidement le cheminement. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a formé Adam depuis la poussière du sol et il a tiré Ève de la côte d'Adam. Je répète. Dieu a créé le monde par sa parole et il avait créé l'environnement de l'homme et après il a créé l'homme dans le monde de l'esprit, mais après il a formé, il a manifesté Adam de la poussière du sol. C'est-à-dire qu'en fait, comme il a enfanté Adam, comme il a plutôt formé Adam de la poussière du sol, la domination du sol, la domination sur la terre était donnée à l'homme parce que Adam avait été tiré du sol. Je répète. Dieu a créé le monde par sa parole. Il a créé l'environnement. Il a créé l'homme et la femme le même jour. Mais il a manifesté Adam le premier. La femme existait, mais il a manifesté, il a formé depuis la poussière du sol Adam. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a tiré Ève d'Adam. Et la résultante pour laquelle, pourquoi l'homme avait la capacité de dominer sur la terre, c'est que premièrement, il était né de Dieu, mais il était tiré de la terre. Ça veut dire que comme il était tiré de la terre, il avait la possibilité de régner. Donc le mandat d'Adam, c'était de régner sur toutes circonstances. Il avait la capacité de nommer tous les animaux de la terre. Est-ce que vous suivez? Maintenant, quand tu lis Romains chapitre 5, verset 12, c'est que dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam, tu ne toucheras pas de l'arbre du bien et du mal, mais tous les arbres qui sont là, tu pourras en prendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam n'a pas délégué son autorité, il n'a pas enseigné Ève. Ève s'est fait séduire par le serpent, et ils ont désobéi. Ève a mangé du fruit, et elle l'a transféré à Adam. Donc, c'est-à-dire que la transgression, tout ça est venu à cause de la désobéissance. Et la désobéissance a amené le péché dans le monde. Et quand vous lisez directement Romains chapitre 6, à partir du verset 19, à cause du péché de Adam, donc n'oubliez pas, ils étaient dans Éden, ils ont totalement désobéi et le péché est entré dans le monde par Adam. Et le péché, regardez ce qu'il a fait. Car, Romains chapitre 7, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Ça veut dire qu'à cause de la désobéissance d'Adam et de Ève, le péché est entré dans le monde. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il domine, il règne sur tous les êtres humains. C'est-à-dire que quel que soit l'être humain sur la terre, s'il a envie de faire le bien, si le péché est en lui, il ne peut pas. Parce que le péché a la capacité de produire un fruit en un homme. C'est pourquoi le péché t'a appris à voler, le péché t'a appris à mentir, le péché t'a appris à être mélancolique, le péché t'a appris à ne pas pardonner. Ça, c'est le rôle du péché, parce que le péché est un arbre et le péché a des fruits. Ok? Et quand tu reprends Romains chapitre 5, verset 19, on te dit que c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, le péché est une personne, le péché est un arbre qui produit maintenant des espèces d'œuvres. Mensonge,
masturbation, vol, ivrognerie et tout ça. Ça, c'est le péché. Et la Bible déclare que quand tu prends Romains chapitre 6, verset 19, c'est que l'apôtre Paul disait que le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes dans notre église, ils essayent de pardonner, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que le péché produit leur œuvre, produit l'œuvre en eux. Mais aujourd'hui, je suis venu t'apporter un message de délivrance et pour te dire qu'il y a quelqu'un qui t'a sauvé à la croix, mais il t'a retiré le péché. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque Jean-Baptiste avait voulu baptiser le Seigneur Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est venu se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. » Et je suis venu t'annoncer que le pouvoir du péché a été ôté en toi. Le pouvoir du péché a été retiré en toi. Le péché n'a plus le droit légal de produire son fruit, mais la personne qui a le droit légal de mettre son fruit en toi, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a la capacité de produire en toi l'amour, produire en toi les fruits de l'Esprit. Yes! Il y a quelqu'un qui commence à être délivré là. Il y a quelqu'un qui commence à être délivré des démons. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre que le péché n'a plus le droit légal sur les enfants de Dieu. Mais comment tu peux y accéder? Il faut avoir la révélation. Ouais. La révélation. Et comme j'étais en train de dire au départ, le péché est entré par Adam. Et le péché a mené des fruits qui empêchaient l'homme de faire le bien qu'il a envie de faire. Mais la Bible déclare une chose, c'est que en Romains chapitre 8, que Dieu a condamné le péché, c'est-à-dire la personne du péché, dans le corps de Jésus. C'est-à-dire que quand vous voyez le Seigneur à la croix, vous voyez qu'il a pris les péchés. Et il a pris toutes choses en lui. Il a fait mourir cette racine. Il a fait mourir cet arbre. Parce qu'en fait, si tu veux régler un problème, il faut venir à la racine. Et le Seigneur n'est pas venu partir à la croix pour les péchés, il est venu pour le péché. C'est-à-dire l'arbre qui produit les péchés et toute forme de péché, mensonge, vol et tout ça. Le Seigneur a pris ça sur lui, il l'a pris sur lui, il l'a pris sur lui et il est mort aussi pour cela, pour te donner la liberté. Je te vois toi qui es en train de me regarder, toi ici, oui, je te vois toi qui es en train de me regarder, je te vois libéré. Pourquoi? Parce que tu prends la révélation et quand tu prends la révélation, tu es maintenant comme avec Christ mort et tu es maintenant ressuscité. Reçois ta délivrance in the name of Jesus. Donc on reprend notre texte de base. Romains chapitre 6, à partir du premier verset. Et je vais le traduire plus simple pour que tout le monde comprenne. Qu'est-ce que tu vas dire, Église, la chapelle de la foi? Est-ce qu'on va continuer à demeurer dans le péché? Afin que la grâce abonde? Verset 2. Loin de là, non. Nous qui sommes morts au péché. Est-ce que tu peux dire après moi, je suis mort au péché? Répète après moi encore. Vois-toi, regarde-toi, regarde en fait les péchés qui te dominent, regarde en fait les tentations qui te dominent, regarde en fait la masturbation, regarde les vols, le manque d'éthique, la pauvreté, regarde tout cela, observe-les. La Bible déclare que tu es mort à cela. Celui qui produisait la mort, celui qui produisait le péché, celui qui produisait le vol, le mensonge, qui s'appelle la racine, le péché, la racine, l'arbre, le péché, la Bible déclare que toi tu es mort à lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort ne réagit plus aux offenses des autres. Quelqu'un qui est mort ne réagit plus à cela. Est-ce que tu es en train de comprendre? Yes. Verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Le péché n'a plus de droit légal sur toi. Yes. Et regardez ce qui s'est passé au verset 4. Et c'est beaucoup plus explicite. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Quand on parle de lui, on parle de Christ. Quand on parle d'ensevelissement, voyez quelqu'un qu'on met directement à la morgue. On le met dans un tombeau. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire à la cérémonie? On le met en terre et on met directement la terre et on l'enferme. Il est mort. Donc, je suis venu te dire, ta position spirituelle, toi qui aimes me parler de ton passé, toi qui es en train de me parler de tes liens aux générations, toi qui es en train de me dire, oui, avant, ma personne, avant, j'aimerais te dire que ton avant a été englouti, ton avant a été enseveli.
ton vieil homme, ton ancienne personne, celui avant qui ne rencontre Christ, a été mis enseveli. Là, il est mort. Ouais. Je vais t'imaginer, mon frère, ma sœur. Avant que tu viennes en Christ, tu étais alcoolique. Tu étais un masturbateur. Tu étais un voleur. Ouais, tout ça était là. Mais la Bible déclare, regarde-toi comme mort. Et la Bible te déclare que toi là, ta position en Christ, lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, tu l'as confessé de ta bouche. La Bible te déclare que tu es mort et enseveli avec lui. Quand vous voyez Jésus-Christ dans des films mourir à la croix, on l'enveloppe et on le met dans un tombeau enseveli, toi, tu es parti avec lui aussi. C'est-à-dire que la défaite qu'il y avait dans ta propre vie, les méchancetés qu'il y avait dans ta propre vie, les liens qu'il y avait dans ta propre vie, a été aussi maintenant en sacrifice avec Jésus. Ça a été cloué à la croix et après on t'enferme et on te met sous terre. C'est sous terre ton ancienne vie, les liens que tu avais avant, les problèmes que tu avais avant que tu deviennes en Christ, les infirmités que tu avais avant, ça a été mis à la croix, ça a été déposé à la croix, ça a été mis maintenant. Maintenant sous terre, dis avec moi sous terre. Ah. Je vais énoncer des péchés et tu vas déclarer avec moi sous terre. Ah. Vol sous terre. Faiblesse sous terre. Masturbation sous terre. Lien de génération sous terre. Défaite sous terre. Capacité, incapacité à marcher avec Dieu sous terre. Incapacité à vivre les Écritures sous terre. Tu as été enveloppé. Tu as été enseveli. Ouais. Enseveli. Ouais. Le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu es libre. Pas libre parce que tu as jeûné. Pas libre parce que tu as prié. Libre parce qu'en fait, quand Jésus-Christ est mort, tu t'es identifié à sa mort. Et Jésus-Christ a mis mort à ton ancienne vie. Ouais. Verset 4. Nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous-mêmes nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire que ton ancienne vie a été mise maintenant sous terre, et il te dit de marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire que tu as une nouvelle vie, new life. New glory, new life, new identity, nouvelle identité. Tu as une nouvelle identité. C'est-à-dire que l'identité spirituelle qui t'avait été donnée depuis Adam a été erronée. Ah ! Je suis venu parler à quelqu'un. De la même manière que dans le monde naturel, ta carte a eu une expiration. Je suis venu proclamer sur ta propre vie que ton ancienne vie a eu une date d'expiration, mais il est temps de faire la nouvelle carte. Et ta nouvelle carte d'identité, elle est en Jésus-Christ. Ta nouvelle carte d'identité, elle est en Christ. Elle est en ton Seigneur. Elle est glorieuse. Tu as maintenant un nouveau nom. Aïe, 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 aïe. Un nouveau métabolisme. Une nouvelle personne. Tu es libre. You are free. Ouais, car, verset 4, tu as été enseveli, mais tu es aussi ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Vois-toi maintenant dans ta chambre. Si tu es en train de me suivre dans ton salon, regarde tes mains, regarde-toi, regarde-toi. Tu dis, je suis nouveau. Pour ceux qui ne comprennent pas trop le français, tu dis, I am new. New life, new destiny, new, nouveau. Ouais, tu es nouveau. C'est fini le passé. C'est pourquoi la dernière fois quand j'avais pris Exode chapitre 8 verset 12, j'avais dit clairement, celui-ci ce jour sera le premier de tes mois. En d'autres termes, le Seigneur était en train de dire que ton ancienne personne est morte. Maintenant, j'amène une nouveauté de vie dans ta propre vie. Ce jour-ci, maintenant, c'est le premier jour de tes mois. C'est ta nouvelle vie. Amen. Verset 5, et c'est l'un des versets le plus important. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, oh, Dieu est en train de donner ta position avec lui en Christ. Il est en train de te dire que, en effet, si nous sommes devenus une même plante, ça veut dire que Dieu est en train de dire qu'il ne marche pas avec toi,
Tu es un avec lui. Ah, je crois que toi, il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose. Je suis venu dire, parler à quelqu'un. Le Seigneur n'est plus avec toi. Il est en toi et tu es en lui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré, ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père habite en moi? Philippe avait demandé, Seigneur, montre-nous le Père. Mais Jésus a dit, mais il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas encore connu. Dieu nous déclare prophétiquement. Oh yes, je sens qu'il y a une personne qui est faible qui est en train de m'écouter. Dieu est en train de te dire que tu es une même plante avec lui. Tu es un avec lui. Est-ce que tu peux dire après moi dans ce live, je suis un avec mon Seigneur? Ouais. Tu traverses des moments difficiles, tu es un avec lui. Ouais. Il te dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Christ, par la conformité en sa mort, donc, tu es mort avec lui. Quand tu le vois à la croix, tu étais avec lui. Quand tu arrives en Christ, tu es avec lui. Tu es mort avec lui et enseveli. N'oublie pas ta position. Tu es avec lui. Quand tu meurs, tu n'es pas seul. Tu es avec lui. Dis avec moi, avec lui. Dis avec moi, avec lui. Avec lui, avec Jésus. Dis avec moi, avec Jésus. Avec Jésus et avec Jésus. Tu es un avec lui. Et maintenant, il est en train de te dire, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort. Donc, quand lui est mort, tu es mort. Je répète parce que c'est très important que tout le monde puisse comprendre. Quand tu vois le Seigneur mourir, toi aussi, tu es mort en même temps. Je répète à une autre personne, parce que des fois, je monte très, très, très haut en intensité avec ma voix et tout le monde ne comprend pas. Je vais asseoir ce que je vais dire. Quand le Seigneur est mort, tu es mort avec lui. Parce que la Bible te déclare en Romains chapitre 6, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante, c'est-à-dire que tu es un avec ton Dieu. Je te rappelle, tu es un avec ton Dieu. Par la conformité en sa mort, nous le serons aussi en conformité à sa résurrection. Lorsque vous voyez dans les films, dans la parole de Dieu, vous voyez qu'ils sont partis chercher notre Seigneur. Vous voyez que le lieu où le Seigneur était positionné, ils sont partis et la pierre a été roulée. Donc quand on parle de la pierre, c'est un endroit comme une sorte de grotte extérieure, d'après ce que je vois un peu dans l'histoire, et c'était comme une porte, comme tu peux voir partout chez toi. Il y avait une porte, ok? Et là, maintenant, on est en train de te dire que le lieu où on avait enterré le Seigneur Jésus-Christ, le lieu où on avait mis le cadavre de notre Seigneur, la porte a été déplacée. Et eux, à leur époque, c'était une sorte de grande pierre que tu pouvais rouler. La pierre a été roulée et le Seigneur n'était plus. Ça veut dire que le Seigneur était ressuscité. Ça veut dire qu'il avait été libéré de la mort. Toi aussi, tu as été libéré de la mort. C'est-à-dire que ton ancienne personne a été clouée avec lui. Ton ancienne vie, tu l'as laissée, mais c'est pas simplement, tu n'es plus simplement mort. Mais maintenant, tu es vivant pour Christ. Tu es vivant pour Christ. Tu es ravi pour Christ. Tu marches pour Christ. Tu vis pour Christ. Ça veut dire que ton ancienne vie, mon frère, ma sœur, laisse-le mort. Maintenant, il y a un nouveau dynamisme. Un nouveau dynamisme. Une nouvelle vie qui t'a été communiquée. Je suis venu te le dire, tu es ressuscité avec lui. Tu es une seule plante avec lui dans la mort, mais tu es une seule plante avec lui dans la résurrection. Et quand on parle de résurrection, c'est qu'on parle de quelqu'un qui était mort et maintenant, il est vivant. Je suis venu te dire, quelles que soient les choses qui sont mortes dans ta propre vie, il y a une résurrection qui est sur le point d'arriver maintenant, si tu le saisis maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Yes! Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Quand on parle du vieil homme, on parle de ton ancienne personne. L'ancienne personne, c'est cette personne qui est née de ta maman, ok, et qui a hérité, en fait, l'héritage d'Adam et de Ève. Pour ceux qui viennent de se connecter, c'est que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi à la voix de Dieu, ils ont goûté à l'arbre du bien et du mal, et là, ils ont été séparés de la gloire de Dieu, et le péché est entré dans le monde, et le péché avait le droit légal de dominer tout homme, toute femme. Mais maintenant, la Bible nous déclare une chose, c'est que cette personne-là, c'est-à-dire que comme ils ont péché, le péché s'est étendu sur tous les hommes, dont toi, et quand tu es né avec un habit, une personne qui s'appelle le péché. Et le péché avait le droit légal de produire en toi toute espèce de désir, le désir de l'impudicité, le désir de mentir. C'est pourquoi depuis dès ton jeune âge, on ne t'a pas appris à faire cela, mais c'est la nature que tu as héritée de Adam et de Ève qui t'ont permis de connaître tout cela. Parce que tu as connu le bien et le mal, donc tu as appris tout cela. Et la Bible déclare que cette personne que tu as eue avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ a été mise à la croix.
a été mis maintenant dans le tombeau et il est mort. Et quand on te parle là, Romains chapitre 6, verset 6, on te dit, sachant que notre vieil homme, c'est-à-dire que c'est la personne que tu as héritée de Adam, a été clouée. D'accord ? C'est cette ancienne personne, cette personne-là. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Waouh ! Le corps du péché, quand je parle du corps du péché, je parle en fait de cet arbre. Il a été détruit pour que toi, tu sois libre et que tu marches en nouveauté de vie. Tu as la capacité d'aimer ta maman, tu as la capacité d'aimer ton papa, tu as la capacité de pardonner quelconque chose. Pourquoi ? Parce que l'ancien toi qui ne pardonnait pas est mort. L'ancien toi qui n'aimait pas pardonner est mort. Il est mort. Ok ? Et on te dit que le corps du péché a été détruit. Maintenant, tu es libre. Et regardez ce qui est écrit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Car celui qui est mort est libre du péché. Ta position en Christ par rapport au péché, c'est la mort. Mais ta position maintenant pour la gloire de notre Dieu, c'est la vie. Yes. Dis avec moi, je suis libéré par Christ. Je suis libéré par Christ. Est-ce que tu peux le proclamer? Je suis libéré par Christ Jésus. Je suis libéré par Christ Jésus, car je suis mort. Alléluia. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc, pour maintenant manifester l'œuvre de la croix, tu dois maintenant te voir comme mort. Aussi longtemps que tu es vivant à quelque chose, la chose va vivre en toi. Aussi longtemps que tu te crois vivant à quelque chose, la chose a le droit légal de vivre en toi. Mais la Bible te déclare, chapelle de la foi, positionnez-vous et regardez-vous comme mort au péché. Et si tu es mort au péché, tu as la capacité maintenant de marcher avec les fruits de l'esprit comme il est nommé en Galates. L'amour, la paix, la joie, le bonheur, le pardon, tu peux tout faire maintenant. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu as jeûné, pas parce que tu as prié, mais quelqu'un qui est parti à la croix, Jésus-Christ, s'est connecté avec toi, tu es mort avec lui, mais ressuscité avec lui pour que tu marches en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. C'est ta dimension de marcher en nouveauté de vie. Mais pour maintenant accomplir cela, je vais t'expliquer le how. Tu dois te voir comme mort au péché. C'est-à-dire que la situation que tu es en train de traverser, s'il y a un péché mignon, comme les gens le disent, mais ça ne se dit pas pour nous, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne. Le péché mignon qui te domine, et à chaque fois tu vois, tu es frustré, tu tombes dans ça, tu tombes dans ça, tu marches avec Dieu, tu dis, Seigneur, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Et dans ton cœur, tu sais que tu as envie de marcher avec Dieu. Dans ton cœur, tu es sérieux, tu aimes Dieu, tu tombes toujours. Ta solution, c'est la croix, c'est ce que je viens de te dire. C'est que tu dois te voir mort. Quand tu vois Jésus-Christ mort à la croix, tu te vois mort à ce qui te faisait mal. Tu te vois mort à ce qui te liait. Tu te vois mort à cela, tu es mort. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est là que tu obtiens ta délivrance. Ta délivrance, tu l'obtiens à la croix. Si tu veux sortir de l'alcool, comprends ce message. Vois-toi comme mort au péché. Vois-toi comme mort au péché et l'alcool va te libérer. Pourquoi ? Parce que l'alcool n'a pas le droit légal sur un mort. Yes. On va prendre Romains chapitre 8 à partir du premier verset. Romains chapitre 8 à partir du premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis venu te dire une chose. Lorsque tu vas venir devant le Seigneur, tu seras devant une cour d'appel, un tribunal. Et il y aura Dieu comme juge et tu auras comme avocat le Seigneur Jésus-Christ, mais tu auras à la barre contre toi Satan. Satan est la personne qui va t'accuser. Est-ce que tu es en train de comprendre? Mais la Bible te déclare une chose. Satan a le droit légal d'accuser une personne qui n'est pas morte et qui n'est pas ressuscitée. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que Satan voudra nommer Jordan, mais Jordan est mort. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas condamner quelqu'un qui est mort. Oh, c'est-à-dire que le nom que Satan avait dans son registre n'y est plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait Jordan Chobo avant. Mais maintenant, ce n'est plus Jordan Chobo. C'est l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Le Jordan Chobo d'avant était insolent. Il se comportait mal à l'école. Il faisait pleurer les professeurs.
Il était dans le péché. Il était dans la masturbation. Ce Jordan-là avait le droit légal d'être condamné à l'enfer, à l'enfer, à l'enfer et à l'enfer. Mais on ne peut plus condamner quelqu'un qui est mort. Regardez bien même dans le texte légal. Quand tu regardes dans le contexte légal, lorsque quelqu'un a une dette, mais que cette personne meurt, la dette lui est ôtée. Aïe, 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 aïe. Je suis venu annoncer à une personne que la dette que Satan avait contre toi, la dette que Satan avait contre toi, la dette qui était rattachée à ta vie n'est plus parce que tu es mort. On n'accuse pas un mort. Oh, ah, y a quelqu'un qui commence à comprendre. Comme c'est en train de lire en Romains 6 tout à l'heure, nous sommes morts au péché. C'est-à-dire que tu es mort à la condamnation qui était sur toi. Tu es mort aux accusations diaboliques. Tu es mort. Ouais. Quand on devait te condamner, on devait dire, hé, Liana, hé, Madame Kuba, hé, votre vie de pécheur que vous avez héritée de Adam et de Ève t'amène maintenant à mourir de façon éternelle. Mais Liana va dire, hé, votre honneur, Jésus-Christ va arriver, va dire, hé, on ne touche pas à cette personne. Satan va dire, mais attends, non, 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 Liana Kuba est condamnée. Liana Kuba est condamnée, tu l'as pas vue? Elle est née de Adam et de Ève, le péché est en elle. Elle a le droit légal d'aller en prison éternelle, l'enfer éternel. Mais Jésus-Christ va lever sa main et dire, votre honneur. Le Père va dire, oui, je vous écoute, vous avez la parole. Non, 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 non. En une certaine année, entre 2010 et 2011, Madame Kuba a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, selon le texte de loi, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ vivra. Oui, oui, c'est vrai, oui, selon le texte de loi, de la parole de Dieu, elle est déclarée non coupable, non coupable. Et en plus, je voudrais juste simplement dire que mon sang, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ceci, mon sang a coulé à la croix pour Madame Kuba. Non, et Satan est en train de dire, non, 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 le sang a été coulé à la croix. Et quand on va regarder le registre de condamnation, on va voir Madame Kuba, Liana, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que l'avocat du Père, l'avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, a pris maintenant la condamnation de Liana, a pris la condamnation de l'apôtre Pierre Chauveau, a pris la condamnation de Parigny, de Caleb, de Jordan, de Gwen. Il a effacé tout cela. Il a effacé, il a effacé, il a effacé le jugement qui te condamnait. Ouais, 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 tu peux commencer à applaudir depuis chez toi, car le registre de condamnation qui était sur toi a été effacé par Jésus-Christ. Et lorsque la partie adverse voudra contre-attaquer, ils voudront dire Joshua Rangasami. Ouais. Non, 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 lui il est condamnable. Ils vont chercher dans le registre Joshua Rangasami. Ah non, on a l'avis de décès. Aïe, 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 aïe. L'avis de décès en Jésus-Christ. Avis de décès. Décédé telle année, ta, ta, ta. Mais la Bible déclare qu'on a aussi maintenant le carnet de naissance. En telle année, Joshua Rangasami est né d'une... Aïe, 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 d'une autre mère. Il est né de Christ. Il est né de la parole. Oh là 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 là. J'aimerais vous dire une chose. Il y a des avis de décès qui ont été mis de Jordan Chauveau, du pasteur et de tout le monde. Nous sommes morts avec lui. Mais maintenant, il y a le registre de la vie, le livre de la vie qui montre qu'il y a Jordan Chauveau, l'apôtre Pierre-Yves Chauveau, Joshua Rangasami, Liana Kuba. Ils sont vivants. Ils sont ressuscités. Ils n'ont plus les mêmes gènes. Les facteurs chromosomiques qu'ils avaient avant. Péché, il n'existe plus. Péché, Liana, non, 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 non. Les mains de Liana sont la victoire. Les mains de Joshua sont la victoire. Les mains de Jordan, c'est la victoire. Sainteté, succès, paix, bonheur, joie. Oh, je suis libre. C'est ce que tu as eu à la croix du calvaire. Vois-toi comme mort au péché. Ouais, parce que Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort, et comme il est mort, tu es en lui. Oh yes, tu es en lui. Donc dans sa mort, tu es mort, mais dans sa vie, tu es vie. Est-ce que le Dieu le Père peut condamner son Fils? Non. Donc ça veut dire que quand Dieu te regarde, il ne te voit plus comme un pécheur, mais il te voit en Christ, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Au départ, tu es né de Adam et de Ève. Le péché te sépare de la gloire de Dieu. Okay?
Et là, tu n'es pas en Christ, tu es à l'extérieur de Christ. Donc, le jugement qui te condamnait avait le droit légal de venir sur toi. Ok? Quand tu lis Romains chapitre 5 à partir du verset 16, Romains 5 verset 16, il est écrit: il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul péché. Regardez bien une chose. Il n'en est pas du don de ce qui est arrivé par un seul péché. Par un seul péché, tu as été condamné. Ok? Car après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Ça veut dire que lorsque tu es venu sur la terre, après une offense, un péché, ton jugement est condamnation. Est-ce que tu es en train de comprendre? La Bible est en train de te dire qu'après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Tout homme qui a fait un péché est condamné tout de suite, illico presto. Mais dans la règle spirituelle, là tu étais à l'extérieur de Jésus, et donc, Dieu le Père avait la capacité de prononcer un jugement contre toi. Mais maintenant, tu as un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ le Juste. La Bible te déclare que quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire quand tu confesses de ta bouche, quand tu crois de tout ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ est mort et parti à la croix, tu parviens à la justice, mais quand tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Et à ce moment-là, spirituellement parlant, tu intègres la croix. Tu vois le Seigneur mourir à la croix. On voit maintenant Jordan s'exposer à la croix avec lui. Et quand on va prendre le corps de Jésus, le mettre en tombe, Jordan a intégré le corps de Jésus. Il est maintenant mort avec Jésus. Et maintenant, comme on parle que maintenant, le troisième jour, on est en train de chercher le tombeau de Jésus. On voit que comme Jésus-Christ s'est levé, Jordan s'est levé. Quand on voit Jésus-Christ se lever, Joshua s'est levé. Quand on voit Jésus-Christ se lever, on voit l'apôtre Pierre se lever. Quand on voit Jésus-Christ se lever, on voit Gwen se lever. Quand on voit Jésus-Christ se lever, on voit David se lever, on le voit se lever. Et comme Jésus-Christ maintenant marche dans la gloire, dans la résurrection, David marche dans la gloire, pasteur Gérard marche dans la gloire, pasteur Eric marche dans la gloire, Liana marche dans la gloire. Et lorsque la condamnation arrive devant toi, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. De la même manière que comme le Seigneur est glorieux, le Seigneur, quand le Père va vouloir juger, le Seigneur voudra te juger, il verra qui? Il verra Christ. Autrefois, tu avais la carte d'identité Adam. Ta nouvelle carte d'identité, Christ. Sois libre. Sois libre. Et nous allons prier. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Nous allons prier. Répète ceci après moi. Je suis mort en Jésus. Ouais. Je suis mort avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Je me vois mort au péché, car celui qui est mort au péché est libre du péché. Seigneur, j'accepte de croire qu'à la croix du calvaire, je suis mort avec toi. Et c'est pourquoi je crois aussi que je suis ressuscité avec toi. À partir de maintenant, la condamnation qui est venue dans mes pensées ne me condamne plus. Donc le premier point, c'est d'accepter que tu es mort avec lui et ressuscité avec lui. Maintenant, le deuxième point, c'est de te voir mort au péché. Regarde-toi, parle à ton âme et tu lui dis tout le temps, quand tu te lèves le matin, tu es mort au péché. 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 Tu es mort. Et le second point, quand tu voudras marcher dans cette dimension, la Bible va te dire clairement que le diable est un accusateur. Pour marcher maintenant dans la victoire, tu dois mettre le sang sur ta conscience. Parce que quand le sang n'est pas sur ta conscience, ça va te condamner et tu vas être comme dans un parking spirituel. C'est-à-dire que tu ne pourras pas avancer. Donc, il y a un passage, je ne le retrouve plus à chaque fois, oh, que Dieu m'aide. Et le passage est en train de dire que le sang de Jésus-Christ nous libère au niveau de la conscience. À chaque fois, je le demande, c'est écrit à plus forte raison, le sang de Christ Jésus vous permettra de servir le Dieu vivant. Je ne sais plus où il est, mais ceux qui peut-être qui sont dans le live pourront peut-être me le trouver. C'est écrit à plus forte raison, le sang de Christ vous permettra en fait de servir Dieu à plus forte raison. Je vais chercher directement. Ah, voilà, Hébreux chapitre 9, verset 14, et on termine sur ceci. Une fois que tu es mort avec Christ, ressuscité avec Christ, la Bible te donne maintenant le processus pour marcher dans cette vie nouvelle. Tu dois te voir mort au péché. Car celui qui est mort au péché, il est libre du péché. Maintenant, quand tu voudras marcher avec Christ, Satan aura toujours le droit légal de t'accuser, mais il n'aura pas le pouvoir sur toi.
Et maintenant, regardez ce qui est écrit en Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même en tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ça veut dire que les péchés que tu avais faits avant, que le Seigneur t'a libéré, le sang de Jésus les efface. Okay? Mais il te permet maintenant d'être libéré dans ta conscience. Si toi, peut-être, tu avais commis un adultère il y a des années, il t'a commis un adultère, tu as commis un vol, et tu sais que dans ta conscience, tu es condamné, il y a quelque chose qui est là pour toi. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, donc on ne parle pas du sang des animaux, le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche, purifiera ta conscience. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ta tête ici? Le sang de Christ purifie ma conscience. Le sang de Jésus-Christ purifie ma conscience. Et déclare-le maintenant, le sang de Christ Jésus purifie ma conscience. Je déclare que les pensées de condamnation de l'enfer sont brisées. Et je mets le sang de Jésus-Christ sur mes pensées. Je mets le sang de Christ sur ma pensée. Car Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que tu purifieras ma conscience. Le sang de Jésus-Christ purifie ta conscience. Et regardez ce qui est écrit. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Il est temps d'avoir des gens qui servent Dieu. Et pour servir Dieu, tu dois être libéré de ta conscience. Et chaque jour, tu le fais, tous les jours de ta vie, tu appliques le sang de Jésus sur ta conscience. Quand tu vois que tu es condamné, le sang de Jésus-Christ purifie ma conscience. Et ce sang te permet quoi maintenant? D'être libéré et de servir le Dieu vivant. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? En tout cas, j'espère que ce message vous a plu. J'espère qu'il vous permettra réellement de vivre correctement avec le Seigneur. Donc n'oubliez pas, c'est que vous avez la possibilité de semer dans ce ministère. Vous avez tous les formulaires en bas qui sont en train de défiler sur l'écran. Tu peux semer par virement, par PayPal, par Western Union. Okay. Et n'oubliez pas, c'est que maintenant, nous avons le projet du ravalement de l'Église. Okay. On doit recouvrir 380 mètres carrés et 1 mètre carré, c'est 25 euros. Okay. 1 mètre carré, c'est 25 euros. Donc, on a 380 mètres carrés à faire et 1 mètre carré de surface, c'est 25 euros. Donc, vous avez la possibilité d'aller aussi sur le Facebook de la Chapelle de la Foi et contribuer directement à la cagnotte qui a été mise en ligne. Donc, ce n'est pas de l'escroquerie, c'est la Chapelle de la Foi qui a mis sur son Facebook une cagnotte qui te permettra de nous aider à faire directement le ravalement. Donc, quand on parle du ravalement, c'est simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que quand vous entrez dans l'église, vous voyez plein de parpaings. Donc, l'idée, c'est simplement de nous couvrir, entre guillemets, d'une sorte de peinture pour qu'on puisse avoir une belle interface. Donc, je répète, on a 380 mètres à couvrir et chaque mètre carré coûte 25 euros. Donc, si tu as la possibilité de donner, fais comme tu le veux, mais ça va permettre à l'avancement de notre royaume, l'avancement du royaume de Dieu. Okay? Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que nous, on se retrouve aussi dans toutes les réunions de la semaine et le dimanche en présentiel. Je répète, le dimanche en présentiel. Le dimanche en présentiel. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Soyez libres en Jésus-Christ.